Eh bien salut tout le monde, c'est Fantastic World, on est sur les Gamers pour la suite de la série de Land Grabbers. On est sur l'épisode 5 déjà, ça fait énormément de temps que la série a déjà commencé. On est sur l'épisode 5, l'iceberg 1, c'est le monde 3 du coup. Donc c'est parti, le temps estimé de 11 minutes 15 et le premier niveau ressemble à ceci. Donc ça change de la petite forêt ou du désert. Là on passe sur de la neige carrément. Il y a des maps, ben là ça commence déjà à être un peu plus joli. Donc c'est parti, on y va. On va tout améliorer. Même technique que partout, on ne change pas une équipe qui gagne. On va attaquer tout ça, on va se récupérer ça, on va se faire les verts. Les verts ici, on va passer au bleu. On va encercler les jaunes. Et une fois qu'on aura encerclé les jaunes, bah normalement la victoire sera à nous. Ils avaient prévu 11 minutes. Je vous fais le pari qu'on fait moins de 11 minutes pour réussir ce niveau. Et vous savez quoi? On va le vérifier tout de suite si on fait voir si on fait moins de 11 minutes. Parce qu'on récupère déjà une autre base. Boum. En tout cas, ce qui est bien, c'est que toutes les autres couleurs s'attaquent entre elles. Du coup, se rendent moins puissantes. Et moi, j'y arriverai par la suite, et là, je commencerai à leur mettre cher. On faut déjà se faire des bases très solides, des bases de 50. C'est impératif de se faire des bases de 50. Parce que si on ne fait pas des bases de 50, par la suite, ça peut poser problème. Alors, on y est. On va pouvoir passer à l'attaque du gros château. En espérant que mon plan va pas foirer. Pop, ça y est, le gros château est à nous. On va l'améliorer au moins jusqu'au 30 ou 40 pour passer crème et être tranquille. Après, on fera la petite maison là. On fera la petite maison ici. On passera, on attaquera les verts. Ici, encore, on améliore encore les bases. On fait des bases de 50 pendant que celle-là s'améliore. Les autres bases de 50, elles évoluent. Partant de maintenant, on commence à rentrer dans le game là. Boum! On continue d'améliorer tout ceci, tout cela. Là, les verts ont commencé à se sentir attaqués. Comme vous pouvez le voir, ils commencent à mettre des troupes. Et ils ont bien fait de s'en sentir attaqués. Car ils vont l'être. Et boum! Et là, les bases, elles ont intérêt d'être solides pour assurer les arrières. De tout ça. Ok. Ouh, ils vont pas se laisser faire apparemment. Les verts sont encerclés par les trois autres couleurs. Ils sont encerclés par les rouges ici même, les jaunes et les bleus. Les jaunes sont très mal en plus à l'heure actuelle. Parce que ce serait pas l'occasion ou jamais de passer à l'attaque. Grande question. Boum. Attention, mesdames et messieurs, nous allons passer à une attaque totalement folle et exceptionnelle. L'attaque de la tour du milieu. Qui est donc à nous. Pendant ce temps-là, nous, on en profite pour attaquer ça. Puis ça. Puis ça. Boum! Plus de bleu non plus. Moi contre les jaunes. Les bases sont solides, comme je le disais. Les bases ont intérêt d'être solides en même temps. Ah putain, ça fait chier ça. Ça fait chier, mais... Regardez bien ce qui va se passer pour la tour qui se trouve juste ici. Nous, on va continuer de défendre de ce côté-là comme on peut. Wow!
Boum 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 boum. Ouh là, ils se sentent trop menacés, trop menacés. Regardez bien un petit peu ce rush. Brown. Et à peine arrivé, boum! 5 minutes 22. Ils avaient prévu 11 minutes. Normalement, j'ai encore le Masters Records pour ce premier niveau. Voilà, Masters Records direct, boum! On s'arrête ici pour donc du coup l'épisode 5. On se retrouve pour l'épisode 6, pour le dernier niveau de Iceberg, et après on passera dans un nouveau monde avec l'épisode 7 et 8. J'annonce officiellement qu'il y aura bien un épisode 7 et 8 qui arrivera par la suite. En tout cas, merci à toi de regarder cette vidéo, et moi je vous dis à plus tard.